Donc. Mais il paraît qu'on a toutes les autorisations. Oui, en direct du château de Pau. Il n'y a pas de problème. Et, événement exceptionnel, ça, moyen exceptionnel. Voilà, devant la responsable de communication du comité départemental de la randonnée pédestre. Où est-ce qu'on pourrait le mettre? Le dernier diplômé de l'équipe des baliseurs. Regarde. Ah, il est là. Le chef baliseur. Non, un peu plus bas. Plus bas, voilà. Et votre serviteur, que vous ne voyez pas, qui est derrière la caméra. Donc voilà l'escalier par où est descendu Ravaillac pour aller assassiner Henri IV, place de la Monnaie, qui doit son nom d'ailleurs au fait que Ravaillac avait demandé un peu de monnaie à Henri IV, arrêté au feu, qui monte vers la place Grammont. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, la première balise posée, elle sera appelée la Jean-Yves Barbet. C'est le blanc, non, hein. Je les pratique depuis très très longtemps. Hein. Ah, alors là, facile, hein. Vous assistez à la première balise peinte du 782, jonction 653. D'aménagement. Voilà, on quitte la place de la Monnaie et on prend le pont du 14 juillet. Alors voilà, pour la 13e balise du parcours, JYB. Au moins, il y a une chose, exerce son talent. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'au moins, ils ne pourront pas dire que je glande, moi. Tu vas voir le loup bientôt, toi. Ouais, on la ramène. Allez, pont d'Espagne. On arrive près de la frontière. Ah oui, il vaudrait mieux là. Alors, pendant que Jean-Yves Peignet, Michou promenait, et Daniel Pisset. Voilà. Non. Bonjour. Et voilà. Là, on va un peu espacer les valises maintenant. Et je vous dis à tout à l'heure. Allez, Michou. Ah, le métier de baliseur est quand même relativement dur. On a besoin de décontractions de temps en temps. Et voilà, on avait choisi l'endroit. Bon, on vous laisse. Hein. À tout à l'heure. Et voilà, et ça sur l'ancien, sur le chemin Henri IV, vous le verrez pas ça. Hein. Hein. Souriez, vous êtes filmé. Il répète, c'est l'écho que j'ai entendu ou quoi? Voilà, notre maître baliseur, notre modèle à tous. C'est pour ça que vous le voyez d'ailleurs, il est tout seul à les faire à la main comme ça. C'est vraiment un voyou. Ouais, non, mais écoute, Jean-Yves, franchement. Je t'assure, tu vas voir, là, je te fais une petite vidéo en gros plan. Ouais. Et après, c'est quelque chose. Est-ce qu'il y a un marché à tirer? Voilà, comme je parle jamais de moi, voilà, celle-là, elle est à moi. Et je travaille avec l'aide ménagère, là, qui est juste derrière le caillou. Ah, là, voilà. Salut, Michou. Salut. Et je frotte. Et frotte. Voilà. Nous arrivons sur la commune d'Artigues-Louves. Et c'est toujours aussi beau. Et voilà, notre vaillant guerrier. Ah, voilà, sur les dernières valises de l'allée, tout le monde s'affaire. Ça s'écate. Ça pince. Sans commentaire. Et ça fait commentaire. Je vous laisse juste les yeux. Attends, parce que là, il me fait du rose. Pour voir celui qui est devenu Léonard. On l'a appelé Léonard. Parce qu'à force de scier, Léonard de Vinci. Voilà, Léonard. Laisse-la devant. Attends, on ne voit pas. Elle ouvre, mais en fait,
Fais attention, hein, ne le massacre pas au passage. Voilà. À force de scier, Léonard de Vinci. Ouais. Monsieur Barbet, vous avez quelque chose à dire pour le comité, pour la fédération. L'encadrement est merdique et lamentable. Voilà ce que j'avais à dire. Ouais. Ils ont tout fait faire, ils n'ont rien fait. Et vous n'avez pas peur de représailles après toutes ces paroles désagréables? Non, j'ai peur de rien. Bon, eh bien alors... J'ai peur de rien. Alors on vous laisse, ça suffit, vous n'aurez pas le droit à l'image. Ciao. Oh merde. Voilà, alors nous sommes à la jonction. Michel. 360. Michel, là il en faut ici. Ah oui. Voilà. Ah ouais, c'est ça. Voilà l'équipe. Bonjour monsieur, bonjour madame. Monsieur. On va mettre. Et voilà, des baliseurs en plein boulot. Ah bien, on va regarder. Des baliseurs épuisés. Allez. Monsieur Barbet, c'est bien. À la jonction. À la jonction. À la jonction. Oui, monsieur Barat. Alors voilà, à la jonction, monsieur Barat. À la jonction. Allez. De celle-là avec la prochaine. Ouais, à l'Armagnac. Hop, pardon, je n'aurais pas dû le dire ça. Regarde, il va falloir faire tomber l'arbre pour enlever celle-là. Comment est l'impression qu'on se fout de toi? Non. Et moi j'ai l'impression d'être une salle, d'être dans un bloc opératoire. Tu sais, bistouri, pinceau, peinture. Il n'a pas le masque. Tu veux le masque? Non, attends, il doit y avoir celui de Lulu là-dedans. Il doit en avoir un pour les allergies là-dedans. Ah, il n'est pas réglementaire, je pense que c'est une idée. Là. Non mais comme il était personne, on en mettra une sur deux comme ça, on va pas s'emmerder. Ah ouais. Bon, attends mais c'est... Vas-y, peins-le. Dis-moi avec qui je travaille. Peins-le en blanc. Oh, regarde, pauvre petite bête. Remets-le sur les pieds. Il va plus pouvoir voler. Et le rouge où tu le mets? Lui as collé les élytres, il va plus pouvoir voler. Ils sont sauvages. Je t'ai dit. Valise ambulante. Voilà. La fédération de randonnée pédestre, bien représentée. Et tu crois qu'ils vont... Attention, il y a la...